Bonjour, bonjour. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau petit haul Action. Nous sommes retournés à Action. Et ben, on a bien fait parce que du coup, je vais vous montrer déjà le scrap. Donc, on a trouvé les deux autres boîtes de washi. L'une d'entre vous m'avait dit qu'il y avait deux autres boîtes. Et effectivement, il y avait deux magnifiques autres boîtes. Donc, je vais vous les montrer. Donc, ça, c'était, il me semble, 4,49 €. J'essaie de mettre les prix dans le montage vidéo. Et prix plus précis, donc vous aviez ce modèle-là et vous aviez ensuite celui-ci. Voilà, en bas, comme ça vous avez la version vintage, je crois que l'autre c'est la version fleurie. Voilà, et sinon vous allez voir mon dernier haul pour la première boîte. Il y a, en tout, il y a trois boîtes. Voilà, donc ça c'était dans les moins de 5 € et dedans vous avez 50 washi. Voilà. Du coup, ben, je suis très contente parce qu'en plus ils sont très jolis. Je les trouve de plus en plus jolis, ceux d'Action. Voilà. Et puis, au niveau du collage, c'est peut-être pas encore top top. Je sais pas si on peut améliorer la colle de chez de ces. Et le fleuri, il est magnifique également. Je vais vous le montrer. Voici donc le fleuri. Il est très très beau aussi. Voilà. Donc ça, c'est le dernier arrivage des washi. Donc trop trop top. Voilà, donc ces deux boîtes-là. Voilà les washi qu'il y a à l'intérieur. Voilà pour ça. Comme j'ai des petits moulages à faire pour mon petit album, du coup j'ai pris les petits moulages comme ça, voilà, pour faire à l'air libre. Donc je voudrais faire des petits nounours, des choses comme ça. Je vais essayer, on verra bien. Voilà, donc du coup ça c'est dans les 1 euro quelque chose, je vous mettrai aussi. On connaît, c'est la pâte, la structure qui sèche à l'air libre. Et puis donc pour Action, j'ai trouvé également, on a trouvé dans les nouveaux blocs. Alors est-ce que c'est celui-là, mon ticket actuel? Je ne sais pas, je ne verrai pas. Donc okay. C'est de plus en plus petit, donc voilà. Du coup, on a trouvé ce bloc-là, donc dans les tons roses, il me semble. Donc, alors il y en a d'autres sûrement, mais voilà, moi j'ai pris ceux qui me plaisaient. Donc particulièrement celui-là. Voilà. Et j'ai trouvé également le antique vintage que je cherchais désespérément. Et on les a trouvés ce matin. En fait, ils n'étaient pas encore arrivés. Voilà. Donc ça, c'est trop top. J'adore. Le antique vintage avec tout le steampunk et tout ça, c'est trop mignon. Trop sympa. Trop joli aussi. Voilà. Bon, faut aimer le style, hein. Mais voilà. C'est parti pour le feuilletage de cet album vintage antique. N'hésitez pas à faire des screenshots pour vraiment voir. Donc vous avez deux feuilles pas identiques parce que celle-ci c'est pas la même. Vous avez 2 x 12 design, et sachant que celui-là il est en recto verso, mais c'est super joli. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. En fait, il est à l'envers, il est à l'envers. Donc oui, une page en droit, une page en envers. Alors je vais essayer de vous le mettre à l'endroit. Mais je pense que vous en avez peut-être déjà vu sur d'autres sites. Je ne sais pas. Ensuite, vous avez celui-ci. Donc, c'est pas facile de les tenir à l'endroit. Je vais essayer. Vous avez ensuite celui-là. Avec la page ici, comme ça. Voilà, j'essaye de regarder en même temps le retour de la caméra. Après, vous avez celle-ci. Mais il est trop beau ce bloc. Trop, trop beau. Il est vraiment magnifique. Ah, je suis vraiment contente qu'on l'ait trouvé. Je l'attendais, celui-ci, vraiment. Ensuite, comme ça. Après. Les petits rouages comme ça, trop bien. Alors aujourd'hui, c'était journée extérieure, ça m'a fait un bien fou, un bien énorme. On a fait une grosse balade avec Sue. En plus, il faisait beau. Franchement, on avait un beau soleil, mais il fait très frais. Voilà, mais on avait au soleil, on était quand même super contents. Voilà, celui-ci, j'espère que c'est à l'endroit. Après, vous avez celui-là.
celui-là il est en recto verso, donc si vous voulez le travailler, je vous conseille d'en acheter au moins deux. Oh, c'est trop bien, des petits timbres là. Vous avez vu tous les timbres ici là, ils sont trop trop beaux. Regardez-moi ça, tous les petits timbres. Oh, c'est trop joli. Oh, j'aime beaucoup. Oh, franchement, il est trop beau celui-là. Je l'avais vu vite fait comme ça, mais franchement, super, super, super. Oh, c'est beau. Oh, c'est chouette. La pellicule, là, regardez ça. La pellicule est vraiment très, très jolie. Le négatif. Ouais, c'est trop bien. Trop, trop bien. Ça, c'est un fond, j'ai l'impression. Voilà. J'espère que vous vous portez bien. Regardez-moi tous ces die cuts. Regardez-moi tout ça. Mais qu'est-ce que c'est beau. Enfin, j'aime bien. J'aime bien. J'aime beaucoup. Alors, on va s'éclater avec ce bloc-là. On va vraiment s'éclater. Celui-là. Il y a tellement déjà de projets en cours que... Des fois, je me dis que j'aurais pas assez de ma vie pour faire tout ça. On est un peu tous comme ça, je crois. Celui qui aura mon héritage scrap, il sera content. Regardez ça. La mécanique du temps, franchement. On arrive bientôt à la double page, je pense. Qu'est-ce que c'est chouette. Donc, il doit y avoir une page de fond et une page... Celle-ci, elle me semble unie, mais c'est peut-être pas le cas. Et ici, regardez-moi ça comme c'est chouette. Franchement, ils sont trop beaux, les blocs-là. Ils sont magnifiques. Ah, bravo pour les designers, franchement, parce que c'est vraiment, vraiment chouette. Voilà la double page. Donc, après, on retrouve la même chose. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on a une double page dans chaque bloc, ce qui fait qu'on peut utiliser les rectos et les versos. Et voilà, on retrouve la même chose de ce côté-là. C'est la tour Eiffel que je vois là. Ah non, je crois que c'était la tour Eiffel, mais non, pas du tout. C'est trop chouette. Voilà donc pour ce bloc vintage antique, actuellement dans les magasins Action. Et j'ai pris cette version dans les tons roses. Très jolie aussi, très très jolie. Donc c'est celle-ci, c'est rose assez flashy. Je sais pas s'il est tout ou rose, mais voilà. Donc, première page, oh là là, c'est chouette, c'est trop beau. Regardez-moi comme il est beau, trop trop chouette. Ça, c'est comme des petits éclairs. Ah, il est joli hein, quand même. Apparemment, il n'y a pas que des pages roses. Donc, je les découvre en même temps que vous parce que je n'ai pas du tout regardé encore. Je l'avais vu vite fait dans un haul. Et je l'avais trouvé comme ça, bien joli. Il est très beau le rose, j'aime bien, il est assez soutenu. Et là, c'est les petites bottes et tout, c'est les Barbie quoi. Regardez, les petites bottes. Trop, trop beau. Franchement, qu'est-ce que vous en dites de ces blocs là? Ils sont très jolis, j'ai pas encore découvert les autres, mais j'ai pris que ceux-là pour l'instant. J'ai déjà tellement de blocs et je vais en vendre. Je vous ai dit, hein, je vais faire un vide atelier. Donc, ça va tout doucement, mais ça vient. Et ne désespérez pas non plus pour la FAQ, que je n'oublie pas. Donc, pour ceux qui passent par là, qui voudraient me poser des questions, j'organiserai prochainement une FAQ, donc une foire aux questions sur ma chaîne, donc en live. Et je répondrai aux questions que vous m'avez posées sous la question, sous la vidéo, pardon, de la FAQ. Donc, vous regardez dans la playlist, dans ma playlist, la FAQ, et vous trouverez, j'essaie de vous mettre le lien de la vidéo, si je n'oublie pas, dans cette, sous cette vidéo, comme j'en parle ici. Du coup, voilà, les quadrillages et tout, regardez-moi les cartes. Trop beau les cartes.
franchement, il est beau, hein, celui-là, le rose, là, franchement, trop beau. Ça, c'est pour voir la vie en rose. Ici, on retrouve des imprimés comme ça. J'avais l'impression de les avoir déjà vus, ceux-là, mais pas forcément. Donc, celui-là, comme ça. Et celui-ci, c'est des petites cartonnettes encore. Voilà. Et la double page, toute fleurie, mais elle est belle. Elle est trop belle. Franchement, j'adore les papiers d'action. Ils sont trop beaux. Franchement, ils sont super jolis. Ah ouais, ils sont super jolis. Bah, celui-là, c'est vraiment rose-rose. Hein. Donc, il faut aimer rose et antique. Et après, donc, pour mon chien, j'ai trouvé des petites choses en semaine d'action également. On a trouvé cet énorme paquet de croquettes friandises. Donc, 1 kilo, je crois que c'était 4,49 €. 1 kilo 750, presque 2 kilos de friandises. Donc, ça s'appelle des cookies mix. C'est super. Et ça, franchement, on en a pour un petit moment pour les friandises. Trop, trop bien. Donc, si vous avez des chiens, n'hésitez pas. C'est en semaine d'action actuellement. Après, on a trouvé des petits nonos comme ça. Donc, j'ai pris une version os. Donc, même pour le gros chien, on peut prendre ça. Il faut hisser le mâcher. Hein. Donc, voilà. Du coup, il faut juste le surveiller un peu quand on lui donne. Mais voilà, pour des petites friandises d'appoint, ça peut être super sympa. Voilà. Donc, ça, c'est moins de 2 euros. C'est 1,59 €, 1,69 €, des choses comme ça. Et du coup, j'ai pris cette version-là. J'ai pris également en petit rondin comme ça. Voilà, ça permet de varier un peu les textures, tout ça. Des petites brochettes comme ceci. C'est vrai que leur truc, c'est très vendeur, hein. Très très vendeur. Donc c'est au bœuf, au poulet, voilà. Donc c'est... Là, on a un très joli berger australien, là, sur la photo. Très joli berger australien. Ici, je ne sais plus ce que c'est, ça, le petit chien comme ça. C'est un... Pas un Jack Russell? Non, c'est pas ça. Je ne sais plus ce que c'est, ce petit chien. Et puis ça, c'est quoi? C'est le même que celui-là. Voilà, c'est le même. Voilà, donc bah, ça, c'est pour mon toutou. Voilà. Donc, c'est du passe-crap, mais ça peut être utile à savoir pour vous faire plaisir si vous avez un petit animal à la maison. Voilà, c'est un mini haul action. Je vais le faire, je vais le poser rapidement. Comme ça, vous saurez... Vous saurez qu'est-ce qu'il y a dans les magasins et pour pouvoir vous y rendre également. Et puis voilà, en tout cas, moi, j'étais contente de faire une mini apparition chez vous aujourd'hui. Et puis, j'espère que ça vous aura fait plaisir. En tout cas, merci énormément de votre fidélité et bienvenue aux derniers nouveaux abonnés qui sont arrivés récemment sur ma chaîne. Je vous remercie beaucoup d'être passé par là et j'espère que son contenu vous plaira. Ainsi que moi, voilà. En tout cas, bon, apparemment, les personnes ont l'air assez contentes de la chaîne. Donc, je suis très heureuse pour ça. N'hésitez pas à commenter et liker. Partagez la vidéo si vous le souhaitez. En tout cas, moi, je vous fais plein de zoobiscrap et j'espère vous retrouver très, très rapidement.